Je sais, il y en a qui vont dire, qu'est-ce qu'il y prend au chauve? Il est devenu fou, il nous présente que des petits couteaux, il aime plus les gros couteaux, quoi. Bon, dans la série, les petits couteaux de poche, machin, tout ça, je vais vous présenter le Bokker Plus Tech Tool Outdoor 2. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est un couteau multilame façon couteau suisse. Bon, mais attention, je vous parle pas là quand même de crotasse chinoise à 2 sesterces. Donc là, façon couteau suisse, Bokker Plus. Là, on a un couteau qui tourne aux alentours de 40 euros, je crois, en France. Alors, comment ça se présente tout ça? On a des petites plaquettes en G10 avec une toute légère texture qui fait un tout petit peu comme des écailles ou comme une surface légèrement granuleuse. Un clip de ceinture qu'on peut positionner soit en haut, soit en bas. Et à l'intérieur du couteau, on a des inserts. Donc, au nombre de 3, il y en a deux extérieurs qui sont ajourés pour une histoire de poids. Et on en a une aussi petite à l'intérieur, une intercalaire entre les lames, mais qui est aussi ajourée pour gagner du poids. Donc, tout ça, une fois démonté, c'est de belles factures. Il y a de la qualité quand même là-dedans. On a deux petits inserts, donc un de chaque côté ici qui vient se positionner sous le clip. Et bon, je vais remonter tout ça et puis on va voir ce que ça donne. Alors, ce petit Bokker Plus Tech Tool Outdoor 2 ou City 2, en fait, c'est les mêmes. On aura juste la couleur qui va changer. Le Outdoor, il est vert. Le City, il est noir. On a une longueur totale d'un peu moins de 17 cm une fois qu'il est ouvert. On a une longueur fermée qui est à 9,5 cm, je crois. Une longueur de lame de un tout petit peu plus de 7 cm pour une longueur de coupe de un tout petit peu moins de 7 cm. Et on a une épaisseur de lame au plus épais qui est à 2 mm. On a une émouture creuse, donc hollow grind, qui est très très prononcée. Donc le creux en fait commence très haut. Ça fait qu'on a une lame qui est très très fine depuis presque les deux tiers jusqu'au fil. Et on a un acier qui est du 12C27, un Sandvik 12C27. Et on a un poids total, je crois, qui est aux alentours de 85 grammes. Alors, bon, type couteau suisse, multilame, on a une lame classique, c'est principalement celle quand même dont on va parler. On a un tire-bouchon, que ça, étant donné que je ne bois pas de vin, je risque pas de m'en servir beaucoup. On a aussi sur le côté un tournevis plat avec des capsuleurs et un petit cran ici. Ils nous disent que c'est un outil pour dénuder les câbles ou les fils électriques. On a en fait ici une arête qui est bien tranchante. Allez, un petit bout de fil électrique. Et on va voir ce que donne l'outil de dénudage ici. Ouais,
c'est pas. Bon, vous l'aurez compris, l'outil de dénudage, peut-être que mon fil, il est trop fin, mais c'est pas génial. Bon, donc on a cette empreinte tournevis plat décapsuleur dénudeur. De l'autre côté, on a une lame crantée avec un tournevis de petit diamètre. Donc très efficace pour couper du petit fil électrique, la partie crantée. Par contre, le petit tournevis plat qu'on a là, le souci c'est que on a ce talon ici qui va empêcher de rentrer dans des petits dominos par exemple. Et la position à 45 degrés, comme, à peu près 45 degrés comme ça, quand on vient desserrer ou serrer comme ça, on a toujours un peu peur que ça se replie sur nos doigts. Faut pas oublier que sur ce couteau, on n'a pas de verrouillage des lames. Et pour l'utilisation de ce tournevis ici, un angle à l'horizontale par rapport au couteau aurait été un peu plus adéquat. Alors on peut se dire que, comme on a vu la dernière fois avec le Gerber Fast Draw, que les serrations servent à couper de la sangle, peut-être on peut s'imaginer que cet angle a été pensé pour ça. On va voir ça tout de suite. Toujours ma ceinture de sécurité. Bon, j'en ai encore un bon petit morceau, donc je peux encore en couper un peu. Et je vais tester la coupe. Allez. Voilà. Bon, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Voyons voir ce que ça donne avec la lame lisse, la vraie lame. Ouais, vraie lame. Allez. Et ben là, par contre, franchement, il n'y a pas de souci. Lame super fine. Donc, on ne va pas se servir de cette lame à serration si on a besoin de couper une sangle de ceinture de sécurité. On va se servir de notre lame lisse. Donc, cette lame à serration, je pense que à terme, je vais y faire une petite modification pour que cette lame, justement, soit dans le prolongement du manche du couteau et non pas à 45 degrés comme ça. J'ai pas trouvé l'utilité qu'on avait à cet angle de 45 degrés ici là. Pourquoi c'est comme ça? Aucune idée. Je pourrais peut-être essayer d'envoyer un message à Beaucaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a en bout, on a un brise-vitre, donc qui lui ne bouge pas, donc un tout petit pointeau qui fait 2 mm environ, 2 mm et demi de diamètre, ouais, 3 mm de diamètre. Allez. Et puis on a aussi un petit œilleton escamotable. Donc on a juste la pointe ici qui dépasse et on peut faire tourner ça et on a ici donc un œilleton où on peut accrocher une dragonne ou un porte-clés. On a ce clip aussi qu'on peut venir positionner des deux côtés. Donc port profond dans la poche, ce qui permet de le dissimuler pas mal, et puis que ça s'accroche pas en fait en faisant n'importe quoi. Petite remarque quand même que je peux moi poser sur ce clip, c'est que les vis sont à tête bombée, ce qui nous réduit en fait pas mal la place qu'on a à l'intérieur du clip. Donc ça va très bien comme le Gerber en fait, ça va très bien pour monter sur un petit peu tous les pantalons, y compris des jeans. Mais par contre, moi je porte des pantalons Carhartt avec un insert pour justement éviter que ces clips de couteau usent trop le pantalon, ce qui crée une surépaisseur. Et que ce soit le Gerber ou
Le bokeh va venir un peu forcer au niveau de ce renfort de pantalon. J'espère que je me fais assez bien comprendre. Alors, en utilisation de tous les jours de ce couteau, bon, même s'il est dénommé outdoor, étant donné qu'il n'y a rien qui le différencie sinon la couleur par rapport au city, donc extérieur ou citadin, urbain, c'est la même chose, ça reste un petit couteau. Là, on est à peine la moitié du prix d'un délicat. Allez, on va reprendre le délicat. Moi, vraiment le problème que ça me posait au délicat, c'est vraiment cette forme de lame. Et puis bon, franchement, ça fait cheap, ça fait couteau bas de gamme. Là, quand on a ça, ça fait, on a vraiment l'impression de qualité avec ce couteau Boker Plus. Ça fait pas du tout gnognotte. Il y a absolument aucun jeu, aucun bruit. Les ajustements sont très bons. On a des fonctionnements. On n'a absolument pas de jeu au niveau de la lame comme ça, ni dans l'autre sens. Bon, bien sûr, par contre, on n'a pas de verrouillage de la lame. Mais tout cet ensemble fait vraiment ensemble de qualité. Et si on regarde. Donc on a un couteau qui est plus petit en longueur totale que le délicat. On a une taille de lame qui est 5 mm plus petite que le délicat. Et pourtant, on a, si on les met bien comme ça, on a une longueur de coupe sur le bokeh de 2-3 mm plus long que le délicat parce qu'on n'a pas ce gros talon qui est là. Allez, ça, on vire. Qu'est-ce que ça donne ça au niveau de la bouffe? Donc, on a une lame qui est super fine. Tiens, il me reste encore une pomme ici. Là, c'est un véritable bonheur de couper avec ça. En plus, cette lame qui est super super fine, ça passe vraiment à travers les aliments sans problème. Que ce soit, bon, j'allais dire du saucisson, mais là, étant donné que je suis en Alaska, du saucisson, il n'y en a pas beaucoup quand même. Du fromage, des pommes, n'importe quel type d'aliment, de la viande, que ce soit crue ou cuite, ça passe à travers absolument sans souci. Donc, cette lame qui est super super fine. Le gros avantage par rapport aux deux autres couteaux qu'on avait avant, qui viennent bloquer de la nourriture, soit dans les serrations ici, soit dans le trou ou le talon. Ici, avec ce bokeh, on a un petit cran qui est juste au niveau de l'arrêt du fil. Mais c'est simplement pour pouvoir affûter plus facilement. Et on n'a pas de nourriture qui vient se mettre soit dans des serrations, soit dans le trou, soit buter sur le talon. Donc travailler avec ce petit couteau, donc un peu plus petit que les autres, mais avec en fait une lame ou une taille de coupe qui est identique à celle des autres. Travailler avec ça, c'est vraiment un bonheur. On n'a pas la prise en main comme ça, quelle que soit la position du clip, en haut ou en bas. Le clip, on ressent son épaisseur, mais ça vient pas vraiment gêner pour travailler. Quand on utilise ce couteau pour travailler un petit peu le bois, donc là. Je me suis amusé à faire un tout petit tri-stick. J'ai un numéro 7. J'ai un crochet pour suspendre les popotes, le pot hook. J'ai une réduction carrée. J'ai une encoche ronde. J'ai donc ce qu'ils appellent un root stripper de travailler l'écorce
pour faire du cordage et que moi j'utilise pour des pinces à linge. Donc ce couteau va très bien pour faire ces petits travaux comme ça. Bon, évidemment, il ne faudrait pas faire une encoche ronde dans un tronc qui fait 25 cm de diamètre. On va pas non plus s'en servir pour faire du bâtonnage. Mais tous les petits travaux comme ça, avec la lame très fine, c'est assez facile. Faire des feather sticks aussi, ça marche très bien. Pour moi, le seul impératif, c'est de mettre le clip à l'opposé de la lame, donc au niveau du petit doigt. On a une prise en main qui vient. Bon, c'est un. J'ai pas des mains qui sont très très grosses, mais qui sont pas trop petites non plus. J'ai le manche qui remplit tout. Enfin, les doigts qui remplissent tout le manche. C'est ça, je vais y arriver quand même. Mais donc avec ce clip au niveau du petit doigt, et comme ça gêne pas au niveau de l'index pour travailler, quelles que soient les positions. Bon, à choisir, si je reprends mes autres couteaux d'avant, donc à choisir, si je devais emporter un des trois couteaux, on va virer ça, tiens. Un des trois couteaux pour aller dans la verte pour quelque temps, en fait, malgré l'absence de verrouillage au niveau de la lame, ce qui est un peu quand même rédhibitoire, mais on a un bon maintien. Malgré l'absence de cette lame de verrouillage, je prendrai celui-là. En deux, je prendrai celui-là. Parce que les serrations, hein, si j'avais pas les serrations, je prendrais certainement celui-là en premier. Et puis en dernier, je prendrais celui-là qui, oui, même encore maintenant, ça fait gnognotte. Donc, oui, outdoor, j'irai pas jusque-là quand même. Un bon petit couteau Citadin, bonne marque, bonne qualité de fabrication pour ce Boker Plus Citadin. Boker Plus Tech Tool Outdoor 2 ou City 2 s'il est en version noire. Voilà, c'est celui que je préfère des trois. Là-dessus, moi je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!